est pas tout le monde. Alors, j'ai eu envie de consacrer mon sujet à pourquoi est-ce que je dois me bouger? Voilà, pourquoi est-ce que vous devez vous bouger? Ben, dans le cas de figure où parfois ça vous arrive en fait de vous sentir peut-être un petit peu mal ou découragé par les situations, ça peut arriver, c'est phasique et je dirais presque c'est normal, il faut l'accepter. Là où il faut s'inquiéter, c'est quand de manière prolongée, vous ne ressentez plus le besoin de bouger. Alors si voilà, vous vous sentez affaibli et que vraiment ça perdure, bah déjà d'une, il faut peut-être consulter, mais moi j'ai tendance à dire attention à l'usage des antidépresseurs. C'est pas forcément quelque chose qui, à mon sens, en fait, vous aide. Moi je dirais qu'il faut plutôt vous travailler en fait la force de votre état d'esprit, c'est-à-dire prendre conscience de votre situation si elle perdure et essayer justement de vous convaincre qu'il faut remonter. Voilà, qu'il faut remonter la pente. Pour ça, il faut dépenser de l'énergie. Mais il y a un moment où vous devez être capable de vous regarder dans la glace, de vous responsabiliser et de vous dire non, ça suffit, je ne me laisse plus aller. Et vous vous dirigez tout simplement vers votre petite armoire à chaussures, vous enfilez les baskets et vous allez prendre l'air. Si aller marcher est quelque chose de difficile pour vous, bah vous y allez progressivement. Déjà, prendre l'air dans une journée 10 minutes, c'est très très bien. Ce que je veux dire par là, c'est ne vous enfermez pas chez vous avec vos mauvaises idées ou vos états d'âme. Responsabilisez-vous, cherchez des solutions, elles viendront. Pour ça, allez vous aérer. Dans la vie, il arrive parfois des catastrophes, des choses dramatiques. On a l'impression que la vie ne pourra plus avancer. Bah, j'ai envie de vous dire que si. On s'habitue malheureusement à toutes les situations et même les plus dramatiques. J'ai envie de vous dire, on apprend à vivre avec. Voilà, chacun peut connaître des situations dramatiques ou des choses qui peuvent affecter un état psychologique. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez quelque peu affaibli et un peu perdu, ben, sachez vous entourer, cibler les bonnes personnes, celles qui vont pouvoir vous tendre la main. Mais à côté, voilà, ces personnes ne vont pas pouvoir vous supporter également tout le temps. Quand je dis supporter, c'est supporter le poids d'avoir besoin d'une aide. Ces personnes, il va falloir à un moment que vous vous libériez d'elles. Elles doivent vous aider au début. Mais par la suite, vous devrez apprendre à vous prendre en main tout seul. Et pour ça, il faut que vous arriviez à trouver cette énergie. C'est pour ça que je fais allusion au sport. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein de sites internet où des gens peuvent se rencontrer pour faire des activités communes. Donc, ce qui est important de mettre en place, ce sont les initiatives. Vraiment, prenez-vous en main. Vous êtes le propre auteur des chapitres de votre vie. Votre vie, elle est unique, elle est chère. Et il y a forcément des gens autour de vous qui sont capables de vous tendre une main pour vous aider à trouver les solutions pour vous en sortir. Et ne dramatisez pas la situation. Même si parfois, effectivement, dans le cas de décès, la situation peut effectivement paraître et être dramatique en termes de poids. Voilà, vous devez vivre, vous devez vous accrocher pour les gens que vous aimez. Voilà. Je vous dis à bientôt, gardez le moral, prenez soin de vous, absolument. Respectez-vous, prenez soin de vous et permettez-vous d'être heureux. Tout simplement parce que bien souvent on s'interdit d'être heureux. Il y a des gens qui sont tellement exigeants avec eux-mêmes que quand ils perdent un proche ou quand quelque chose de dramatique leur arrive, ils ont tendance à se faire souffrir. Donc arrêtez avec ça et profitez de la vie car elle est courte, on ne sait pas ce qui peut arriver et tout est magnifique autour de nous, l'environnement est super, on a une planète qui est encore intacte, donc vraiment profitez de toutes ces beautés du monde et profitez de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt, y est pas, accrochez-vous et vous méritez le bonheur comme tout le monde. Allez le chercher. À bientôt.